ce crâne provient de la collection Gasto, une célèbre collection de crânes du monde entier qui a été rassemblée par le professeur Gasto. Et parmi les 60 crânes qui sont présentés, il y a ce crâne à mosaïque. Il arrive dans les années 60 sur le marché de l'art, en 63 plus précisément. Et Henri Gasto, qui est en train d'achever, on va dire, sa collection, veut acheter ce crâne. Et il commence à se renseigner pour essayer d'avoir des informations supplémentaires. Il active son réseau international de chercheurs, de collectionneurs et de marchands. Et finalement, au lieu d'avoir des renseignements supplémentaires, il y a des doutes supplémentaires sur l'authenticité du crâne notamment. On dit qu'il vient du Mexique, qui serait d'origine mixtèque ou aztèque, mais en fait, nous n'en savons rien. Le crâne lui-même et la mosaïque pris séparément seraient d'origine préhispanique, mais l'assemblage de ces deux parties authentiques aurait été réalisé dans les années 60, par un faussaire ou un habile restaurateur, selon le point de vue dans lequel on se place. D'accord. Voilà. Il faut absolument analyser les matériaux qu'ils composent. Voilà, à commencer par le crâne. Tout à fait. Le crâne qui semble être allongé, déformé. Et bon, ce qu'on pourrait faire, c'est prélever l'os et essayer de faire la datation par la méthode du carbone 14. Donc la numérisation 3D se passe en deux étapes avec cette caméra. Il y a d'abord une prise de photo via un appareil numérique qui est intégré dans la caméra. Et ensuite, un quadrillage laser balaye lentement l'objet pour récupérer la topologie et toutes les informations de surface. Eh bien David, si tu peux prendre cette image 3D et la faire tourner de manière à voir le dessous du crâne. On va découvrir les os qui constituent le dessous du crâne. Et en particulier, on voit la partie qui a été prélevée. Il y a un petit os près de l'hypophyse qui a été enlevé. Il manque maintenant quelque chose comme un peu moins d'un gramme au crâne. Et c'est à partir de ce fragment d'os qu'on a pu dater le crâne. Alors si tu veux bien, on va passer en éclairage rasant pour mettre en évidence des détails de la mosaïque de turquoise elle-même. Voilà. On perd l'information de couleur, mais on voit très bien la surface. Et avec cet éclairage rasant, on voit apparaître le fait que les tessons ne sont pas tous du même niveau. Bon, ça, c'est assez particulier parce que normalement, les objets en mosaïque de turquoise connus, en particulier ceux du British Museum, sont vraiment tous au même niveau. Ça place cet objet un petit peu en marge des objets qui sont connus jusqu'à présent. D'accord. L'examen du crâne sous ultraviolet révèle beaucoup d'informations. Tout d'abord, s'il y avait eu un traitement, une restauration à la surface de l'objet, on verrait de grosses plages bleues. À l'évidence, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de traces de restauration à la surface de cet objet. Deuxièmement, on voit apparaître une bande rouge sur le crâne. En fait, cette bande rouge correspond à la fluorescence du matériau, de la colle qui permettait de faire adhérer les tessons de mosaïque de turquoise à la surface du crâne. Pour cet objet, on a prélevé sur la bande d'adhésif qui est visible à l'arrière du crâne, donc ici, sur la tempe où on voit encore l'adhésif qui dépasse, au niveau du menton où on aperçoit une petite lacune au niveau de la mosaïque, donc on voit l'adhésif sous-jacent, et à l'intérieur du crâne, dans le matériau de comblement, qui a été utilisé pour combler le crâne. Alors on avait vu en fluorescence qu'en fait ce matériau est fluorescent rouge et ça pourrait correspondre à quoi alors? C'est une résine animale qui s'appelle la gomme lac et qui provient en fait d'une sécrétion de certaines espèces de cochenilles quand elles colonisent en fait un arbuste. Donc en fait on peut dire que comme c'est de la gomme lac, c'est pas un matériau synthétique moderne. Non, alors c'est pas un adhésif synthétique, c'est pas une colle néoprène ou autre, c'est un matériau naturel en fait, c'est une résine animale naturelle. À l'examen au microscope binoculaire, on voit une foule de détails révélateurs.
Et si on regarde les éléments en turquoise, de toutes les couleurs, on voit à l'évidence des traces de polissage à la surface, qui permettent de voir de quelle manière elles ont été fabriquées. En fait, chacune d'entre elles a été polie à part, puisque chacune a des traits de polissage orientés différemment. Dans les éléments noirs qui sont sur le bandeau frontal, on peut voir une preuve d'un réemploi. Il y a un percement. Probablement qu'une de ces plaquettes était utilisée sur un collier et le fil devait passer par ce percement. Le réemploi d'éléments décoratifs est assez courant en archéologie. Sur les bords de ces éléments noirs, on voit une matière dorée. En fait, ces plaquettes ne sont pas réellement noires, c'est juste à la surface qu'elles sont noires. À l'intérieur, elles sont dorées. On va utiliser l'accélérateur pour déterminer la nature de cette matière dorée. Voilà, je vais placer le crâne devant le faisceau extrait de l'accélérateur. On va pouvoir analyser avec le faisceau de proton un détail des incrustations noires. On a placé le crâne à l'extrémité de l'accélérateur et on s'intéresse en premier aux éléments noirs de la mosaïque, le bandeau, pour déterminer la nature de ces matériaux. Alors, si tu peux envoyer le faisceau, on va faire l'analyse. Alors, le spectre apparaît sur l'écran. Le spectre, en réalité, c'est la composition de l'objet. Il y a des pics, et les pics correspondent à la présence de certains éléments. Il y a donc deux grands pics qui correspondent à la présence de deux éléments. Ça, c'est du soufre, et l'autre, c'est du fer. Soufre et fer, un matériau qui a une apparence dorée, c'est de la pyrite. Aujourd'hui, la pyrite a un aspect noir, parce que la pyrite a été corrodée, elle s'est altérée avec le temps. Mais sur les petits bords, sur le bord, on voit encore apparaître l'aspect doré. Donc maintenant, on va s'intéresser aux éléments foncés qui sont sur le menton. Ils ont une apparence similaire à ceux du front. Et on va voir si la matière, c'est la même. Peut-être se mettre un peu plus centré dessus. D'accord, donc je mets le laser. Alors on voit apparaître la composition. Alors d'emblée, le spectre est totalement différent. Il fait apparaître des pics à différents endroits. Le premier pic qui est ici, c'est de l'aluminium, du phosphore, et le pic après, le plus intense, c'est du cuivre. C'est donc un phosphate d'aluminium et de cuivre. C'est tout simplement la définition de la turquoise. Donc cet élément-là, c'est en réalité de la turquoise. La turquoise, normalement, elle est bleue, comme tout le reste de la mosaïque. Mais là, elle est noire et... Il a fallu comprendre comment est-ce qu'on arrive à obtenir de la turquoise noire, parce que la turquoise noire n'existe pas dans la nature. On a fait des essais de chauffage, c'est probablement le seul moyen d'obtenir de la turquoise foncée. Eh bien, en fait, à 200 degrés, elle commence à devenir un petit peu grise. À 250, elle commence vraiment à être marron. Et à 300 degrés, elle est totalement noire. Au-delà, ça ne sert à rien parce qu'elle se décompose et elle devient laiteuse. En fait, on est en présence d'un matériau qui est inconnu. C'est de la turquoise chauffée. Ça n'a jamais été signalé auparavant. Donc on va dire que le masque aujourd'hui, il a cette apparence avec un bandeau noir ainsi qu'un labret noir. Mais en réalité, à l'époque, quand il a été fait, il n'était probablement pas comme ça. Il devait avoir un bandeau doré et la partie du bas était réellement noire. Alors Thomas, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les résultats que vous avez obtenus sur notre crâne à mosaïque ? Alors, d'abord en ce qui concerne le crâne, la datation en carbone 14 nous dit qu'il est, peut être précolombien, il est du 9e, 10e siècle de notre ère. Après, en ce qui concerne la mosaïque, alors là, on a eu des sacrées surprises, parce que, bien sûr, les turquoises sont vraiment en turquoise, mais le bandeau qu'on pensait être en obsidienne n'est pas du tout en obsidienne. Il est en fait en pyrite. Ah bon ? Oui. Alors la pyrite, c'est un matériau qui, normalement, est doré. Ouais. On appelle aussi l'or des fous. Et là, en fait, il est tout noir. Il est tout noir parce qu'il est très altéré par le temps. Alors, il y a un autre matériau noir qu'on a trouvé, celui qui est sur la mâchoire.
ce matériau noir, c'est bizarrement de la turquoise. La turquoise n'est jamais noire. Et comment ça a été obtenu? C'est par chauffage de la turquoise. Alors, ce genre de matériau n'a jamais été signalé. Pour moi, il y a tellement de matériaux noirs qui auraient pu être mis à la place qu'on utilise de la turquoise. D'accord. C'est probablement une indication que ce matériau est authentiquement précolombien. Et enfin, la colle, la fameuse colle. La fameuse colle. Alors, la fameuse colle, ce n'est pas une colle moderne. C'est une colle qui existe depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle la gomme laque. La gomme laque, c'est issu, produit par un insecte. Mm-hmm. C'est connu depuis avant notre ère. Seulement, on n'en a jamais vu au Mexique. Donc, ça pose un problème. Le seul moyen d'expliquer la présence de tous ces matériaux, qui sont différents, c'est d'imaginer une intervention moderne à un moment ou à un autre. La première hypothèse, c'est que ce soit vraiment un crâne authentiquement précolombien, une mosaïque authentiquement précolombienne, que l'on a restauré à un moment donné, récemment. Une vraie restauration. Mais entièrement, démonter, recoller ça entièrement. L'autre hypothèse, c'est que c'est en fait deux éléments qui sont authentiquement précolombiens et qui ont été assemblés à une période moderne. Et enfin, on pourrait dire qu'on ne sait pas quand a eu lieu cette intervention moderne. On peut la placer plus loin dans le temps. Et pourquoi est-ce que ça ne serait pas une curiosité, un objet fait après la découverte de l'Amérique, à une période donnée, 19e, 17e, 18e siècle, à la méthode d'objets authentiquement précolombiens pour satisfaire la demande des collectionneurs, eh bien, on n'arrive pas à dispartager entre ces différentes hypothèses. L'objet garde son mystère.